remercie déjà pour cette victoire qu'il nous donne sur la puissance du diable. Prions ensemble et bénissons le nom du Seigneur. Élevons la voix et prions. Bénissons le nom du Seigneur pour la victoire qu'il nous donne déjà sur la force du diable. Prions ensemble. Nous voulons te rendre toute la gloire parce que nous croyons déjà que tu nous as donné la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu Tout-Puissant? Alléluia! Est-ce que tu veux encore une fois acclamer Jésus de Nazareth? Celui qui mérite l'acclamation. Celui qui mérite l'acclamation. Alléluia! Je veux que ce soir tu élèves la voix et que tu commences à adorer ton Dieu. Je veux que tu élèves la voix et que tu commences à magnifier le nom de Jésus. Que tu lui dises, Seigneur, tu es digne d'élévation. Adorez, magnifiez le roi.
appelé son serviteur, celui qui l'a conduit ici, pour apporter la délivrance à cette famille, pour apporter la délivrance à cette maison, pour apporter la délivrance aux enfants de cette maison. Il demande tous la voix et recommandons-lui la suite de ce programme. Prions ensemble. Dans le but de délivrer et restaurer encore cette famille. Je m'abandonne en plein creux de ta main et merci d'agir puissamment, Seigneur notre Dieu. Que la gloire et l'honneur te reviennent, je m'abandonne en plein creux de ta main. Merci parce que tu es Dieu.
Persévérer comme l'oiseau qu'on appelle cri coco. C'est un oiseau qui est toujours, lui, sa spécialité c'est de percer les bois secs. Je sais pas comment vous appelez ça ici. Lui perce les bois secs. Voilà, lui quand il commence à percer le bois, il ne laisse pas. Tant qu'il n'a pas percé le bois, il lâche pas son travail. Donc on dit faut être cri coco. Il faut être comme lui, et tant que tu n'as pas, n'est-ce pas, tant que tu n'as pas vu le miracle de Jésus, il faut persévérer. Okay.
Mateo,
I'm gonna go get some more.
qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Avons allé. Avons allé. De la famille, celui qui l'a invité est là ce soir. Le responsable. C'est la famille Ndrama. Nous traversons beaucoup de situations depuis des années. Mais nous ne savons une seule paix, c'est Jésus. Nous avons pleuré, nous avons lui avons parlé et nous a conduit chez l'un de ses fils. Jésus lui a dit que c'est lui qui peut venir résoudre notre problème. Nous sommes allés le voir, nous lui avons demandé de venir à Zamaka. Il a donné son accord. Nous l'attendions. C'est comme ça qu'il est venu. Amen. Est-ce qu'on peut puissamment acclamer Jésus de Nazareth? Si le mot lâché, il dit, il est là. Amen. Il est là ce soir. Je vais tout simplement vous demander d'accueillir le maréchal de la brigade antisociale. Jésus a envoyé son fils. Moi. Je vais vous présenter celui que Jésus a envoyé, mais son vrai nom, on l'appelle le maréchal de la brigade anti-sorcier, j'ai nommé le prophète Joël Crasso. Shalom. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus plus fort? Jésus, 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 Jés
Adana Kambale, Jésus Adana, Jésus 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 Adana Kambale, Jésus Adana. Que Dieu vous bénisse, Seigneur, nous te prions de conduire cette cérémonie. Cette rencontre de prière, de restauration, de délivrance, que ton esprit soit à l'œuvre dans la compréhension de ta parole, qui produira la foi, et cette foi qui nous poussera à demander et à recevoir. Tout ce que vous demandez par la foi, parce que tu te bases sur le principe qu'est la foi, et la foi vient de ce qu'on a compris. Seigneur, merci de nous bénir. Au nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Ah, l'amen est petit, même si on n'est pas nombreux. Amen. 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 Soyez richement bénis. Amen. Nous sommes tous arrivés aujourd'hui. Pendant que l'équipe était à Bangourou, moi j'étais à Zopé, je les suis vers. Voilà, il fallait qu'on vienne ici par la grâce de Dieu. La dernière fois, je devais venir juste avant mon voyage sur les États-Unis où j'ai fait pratiquement 2 mois. Je suis arrivé, je sais personnellement les attaques que j'ai vécues. Je suis parti. Le seul problème, c'est que vous devez comprendre que c'est celui qui vient vous délivrer que le diable attaque le plus. Voilà. Parce que, vous savez, il y a des gens qui n'ont qu'une notion de la spiritualité. Ils voient les choses comme faciles. Or, si vous êtes maintenu longtemps dans la captivité, il y a un esprit qui vous conduit, qui vous commande. Il y a un esprit qui ne vous l'a pas quand vous délivre. Et justement, celui qui vient vous délivrer, cet esprit-là, n'est-ce pas le combat? C'est pour ça que c'est après beaucoup de prières qu'aujourd'hui qu'on réalise le programme, la suite de ce programme. Amen. Amen. Donc ce n'est pas une question d'un repas qu'on est là où on prend une cuillère pour manger. C'est un combat avec les esprits. Parce que vous avez lutté tout le temps, vous n'avez pas pu les vaincre. Voilà, c'est ça que vous devez savoir. Vous n'avez pas pu les vaincre. Donc celui qui vient vous aider, c'est ça. Vous aider dans le combat, c'est celui-là que l'esprit attaque. Parce que vous êtes déjà victime, vous voyez comme des prisonniers. Sur ça, c'est avec beaucoup de prières. Sur ça qu'il ne faut jamais se décourager. J'ai toujours dit, c'est quelqu'un Dieu envoyera pour vous délivrer. Les gens disent, ah non, on a besoin de se délivrer. Personne ne peut se délivrer seul. Non, personne. Il y a des situations de délivrance, il faut que Dieu envoie quelqu'un. Sur ça que Dieu a envoyé Moïse, il a substitué Moïse pour faire sortir le peuple d'Israël du pays de l'Égypte, de cette captivité, et pour conduire Israël à Canaan. Pour que Dieu te fasse conduire à Canaan, pour ces sciences de grande délivrance, il va forcément utiliser un. Le dimanche passé, j'enseignais sur la délivrance de l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul a rencontré Jésus-Christ sur la route de Damas, il était frappé d'un aveuglement, conduit dans une maison. C'est Ananias, le serviteur de Dieu, qui est venu le délivrer et les écailles sont tombées de ses yeux. Donc, frère, il y a les délivrances, il faut forcément quelqu'un. Mais justement, il faut tomber sur quelqu'un, un spécialiste pour vous faire sortir, pour vous dire... Cette histoire, ce n'est pas de l'amusement. Est-ce qu'on a bien saisi? Oui. Ce n'est pas de l'amusement pour penser qu'on vient et puis on fait ce qu'on a envie de faire. Non, c'est toute une lutte avec le monde des esprits. Un combat qu'on mène avec le royaume des ténèbres. Et ça peut prendre 2 jours, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans. Jusqu'à ce que dans la persévérance, Dieu nous ouvre le chemin pour la délivrance. On ne dit pas amen. Amen. Pour qu'Israël atteigne Canaan, il a fait 40 ans dans le désert. C'est ce que vous devez comprendre. 40 ans dans le désert. Il y a des situations, c'est facile. Il y a d'autres situations, c'est difficile. On n'a pas la même. C'est vrai que peut-être ça se ressemble. On n'a pas la même, n'est-ce pas, même le même esprit qui conduit les familles. Il y a des situations où nous arrivons, on a la possibilité de régler ça en quelques temps. Il y a des situations où il faut persévérer dans la prière. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans. Pourvu qu'on persévère dans la prière et que Dieu nous délivre. Amen. Amen. Nous sommes en train de boucler une affaire vous concernant. Amen. Amen. J'ai toujours dit, tant que vous ne levez pas dans la prière, vous savez, le découragement, vous voyez là, le découragement ne doit pas animer quelqu'un qui croit en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, vous voyez là, le temps n'existe pas chez lui. Le temps, la Bible dit que 1000 ans, c'est comme 1 jour devant Dieu. Vous comprenez? Ah, je ne suis pas, on ne dit même pas. Amen. Je veux que vous soyez vivants. Okay. Voilà, il faut que vous soyez vivants pour que vous compreniez le message. Il faut que le message, vous percevez mon message. Ça, c'est vraiment très important. 1 an, c'est comme 1000 ans devant Dieu. 1 jour, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme 1 jour devant Dieu. Le problème clé,
qui doit nous animer, c'est la persévérance. Est-ce que nous qui désirons la délivrance, est-ce que nous-mêmes sommes attachés à Dieu? C'est tout ça que le Seigneur d'abord va essayer de voir. Et à partir de ce principe, il va commencer à mettre, n'est-ce pas, un système de délivrance en place pour vous faire sortir. Parce que tout compte fait, c'est une question de Christ qui doit vous délivrer. Amen. Amen. Voilà. Parce que si vous êtes encore captif des esprits, vous êtes encore dans la captivité, c'est que le démon trouve raison de régner sur vous. Le diable trouve encore raison de régner sur vous. Parce que si vous, vous avez véritablement Christ dans votre vie et que vous le servez d'une manière sincère, Dieu lui-même, n'est-ce pas, opérera le miracle. Mon message ce soir, nous allons écouter l'histoire de Bartimée. Amen. Amen. Et l'histoire qui te fera du bien et qui me fera du bien. Amen. Amen. Je vais juste introduire le message. Amen. Amen. Pour dire encore que je suis le prophète Crasso. Ma spécialité, c'est la destruction des hôtels sataniques, des monnaies et les œuvres de la sorcellerie. J'ai toujours dit, quand quelqu'un nie l'existence de la sorcellerie, c'est que lui-même est sorcier. C'est que vous voyez quelqu'un, vous parlez à quelqu'un, puis il nie, et puis il ne veut même pas qu'il explique, c'est qu'il est sorcier. Pourquoi? Parce que la sorcellerie existe dans toutes les langues. Je suis bêté, en même temps, Doula appelle. Doula là. On dit Soubaga. Bêté là. On dit Gougnon. N'est-ce pas? En français, on dit sorcier. Chez vous, on dit Bayefouet. Très bien. Dans toutes les langues, ça existe. Pourquoi un mot si important existe dans toutes les langues? C'est parce que ça existe que c'est un nom. Ce qui n'a pas de nom n'existe pas. Voilà. On est d'accord avec ça? Amen. Ok. Mais encore, vous avez besoin de connaître. Parce que vous savez, quand quelque chose existe, il faut connaître comment la chose fonctionne. Or, la sorcellerie, ça ne s'élimine pas, ça existe. Les gens disent que oui, ça existe, mais moi, je banalise. Frère, tu n'as pas le pouvoir de banaliser. Parce que, écoutez, la sorcellerie existe. Qu'elle existe, comment elle fonctionne? Il faut qu'on vous ouvre l'esprit. La sorcellerie veut dire celui qui lance un sort. Donc, celui qui dit qu'il est sorcier, mais pour lui, il est bon, il ment. La sorcellerie était toujours négative. Amen. Amen. Voilà. Donc, écoutez-moi très bien. Je vais vous expliquer un peu pourquoi nous autres, nous sommes révoltés contre la sorcellerie. Quand un sorcier, on vient de l'initier. Parce qu'on peut t'initier quand on gré. Tu veux ou tu ne veux pas être sorcier. À moins que tu aies Jésus-Christ. Si tu as Jésus-Christ, tu peux t'épargner de tout ça. Mais tu n'as pas Christ. Quelqu'un peut venir t'initier à la sorcellerie. Peu importe ton âge. On s'en fout de ton âge. On peut t'initier à la sorcellerie. Et quand tu rentres dans la sorcellerie, pour quelqu'un qui vient, qui est apprenti, qui vient de rentrer dans la sorcellerie, il va d'abord donner quelqu'un pour avoir droit à la parole dans la confrérie. Donc il va faire un an où chaque mois il va donner une personne, ça fera 12 mois. Quand 12 personnes, quand tu remplis ton carnet, parce qu'il y a un carnet, hein, quand tu remplis les 12 personnes, tu passes à l'étape 2. C'est comme si tu étais au CP1, il dit pas au CP2. Est-ce que tu m'as bien saisi? Oui. Ok. Écoutez très bien. Et quand tu vois la classe de CP2, ça dit que tu n'es plus petit. Tu prends les grandes décisions. Donc, tu peux maintenant travailler avec ta sorcière dans le côté régional. Or, niveau 1, tu étais dans familial, tu travailles les familles. Maintenant, côté 2, tu es maintenant régional, dans les régions, dans les différents. Tu peux quitter dans ta famille, aller manger quelqu'un, quelque part là-bas, à Bangourou, dans un village, à Melekia, quelque part là-bas. C'est les villages que je connais. Voilà, les villages où je travaille un peu. Tu peux aller manger là-bas, puis revenir. Voilà, parce que tu es un peu gradé. Donc, chaque semaine, tu dois donner une personne. Ça, c'est le niveau 2. Maintenant, quand tu remplis ces conditions-là, un an après, tu deviens un responsable d'une confrérie. Ça, c'est grave. C'est-à-dire que tu diriges des mangeurs d'âme, tu es patron. Par jour, tu tues. Par jour, tu dois tuer. Ah, c'est pour dire qu'il y a des gens où vous ne maîtrisez pas la sorcellerie. Eux, ils travaillent. Après, eux, leur système, c'est quoi? C'est que vous restez dans l'ignorance la plus totale. Que vous ne maîtrisez pas. Ça existe, mais on fait avec. Or, on ne fait pas avec. Si tu fais avec, il tue. Par exemple, tu manges gabarit, poisson, thon, ou bien plaque, foutu, banane, foutu, igname, djumblé, agouti. Eux aussi, ils mangent leur agouti. Eux, leur agouti, là, c'est les hommes. Vous comprenez? C'est les hommes. Ce sont là qu'on les appelle les mangeurs d'âme. Donc, eux, ils travaillent. Il n'y a pas une famille ici en Afrique où il n'y a pas la sorcellerie. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce que les sorciers initient dans le but d'avoir toutes les informations d'une famille. Donc dans le village ici, il y a la confrérie. Et dans cette confrérie du village, il y a foncièrement même membre de la famille dedans. Et quand ils se réunissent, ils ne parlent que des familles. Chacun donne une information sur sa famille. Or, le danger, c'est qu'ils ne parlent pas de bonnes choses. Ceux qui doivent réussir, il faut les tuer. Ceux qui doivent les marier, il faut les enfermer. Tu as une belle femme, on t'enferme.
On t'enferme dans une bouteille, on t'enferme dans une tombe, et tu es là, tu ne peux pas te retrouver. Ton argent, on peut bloquer ton argent sur le plan spirituel. On bloque ton argent. C'est comme tu as de l'argent et ça, c'est comme du vent. Tu as de l'argent, tu ne peux pas, ça ne peut pas te profiter. Et quand une famille est minée par la sorcellerie, c'est caractérisé par le retard. Le non-aboutissement, le retard. Vous avez l'impression que tout le monde a les mêmes problèmes. Le retard, les gens ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à avancer. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a une main obscure qui empêche toute cette famille d'avancer. Or, il ne faut pas s'asseoir. Est-ce qu'on m'a bien saisi? La délivrance, ça se désire. On ne s'assoit pas. Dans Esaïe 60, la Bible dit que lève-toi quand ta lumière arrive. Les gens disent non, Dieu même peut venir. Dieu ne viendra pas te délivrer. Vous mentez. Celui qui vous dit ça, il ment. Celui qui vous dit ça, il ment. Il dit approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Amen. Dieu s'est approché de l'homme. L'homme a décidé d'obéir à Satan. Donc Dieu n'est plus. Dieu s'est retiré. L'homme a décidé d'obéir à Satan que d'obéir à Dieu. Donc Dieu s'est carrément retiré. Dieu s'est carrément retiré. Donc, depuis lors, le diable est le maître de l'homme. C'est quand tu décides, parce que c'est une question de volonté, quand tu décides de marcher à Jésus-Christ, que le Seigneur rétablit le pont entre toi et lui, qui est le symbole de la croix. L'homme qui est réconcilié avec Dieu de par la mort de Jésus. C'est tout. Donc, le diable, tant que tu ne te lèveras pas, oh, il ne faut pas faire avec. Il y a des gens qui ont une situation, ils font avec. Ils sont là, ils font avec. Et puis, ils attendent la mort. Ah non, frère, Dieu n'a jamais créé des vauriens. Dieu a créé des champions. Dieu n'a jamais créé des vauriens. Dieu crée des champions. Donc quand tu n'arrives plus à avancer, c'est qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer. C'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée, j'aimerais que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Prospérité, ça veut dire que tout ce que tu touches marche. Si ça ne marche pas, c'est que quelque chose fait, quelque chose qui bloque, qui ne fait pas que ça marche. Est-ce que tu m'as bien saisi? Amen. 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 Or, il y a deux mondes. Il y a le monde qu'on appelle le monde spirituel, qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais c'est une réalité qui existe. Et il y a le monde physique, on se voit. Mais il y a une autre réalité qui est dans le monde qu'on appelle le monde spirituel. C'est ce monde spirituel-là qui commande notre monde visible. Tu peux être esclave, tu peux être prisonnier dans le monde spirituel. Tu es là, tu es prisonnier. Le rejet. On te rejette, tu es bizarre. On a l'impression que. Il y a des gens qui vont même chier, qui vont même. Excusez-moi, essuyez vos fesses. On a des. Prends papier hygiénique. C'est si vous venez essuyer les fesses sur votre visage. Partout où on vous voit, on vous rejette. Il y a un monsieur, lui, il a pris son fils. Excusez-moi, il a introduit dans son anus. Il a fermé l'enfant là-dessus. Anus, mec, n'est pas bien. A plus fort dedans pour sorcier ou on te met. C'est pas bon maintenant pour sorcier. Sorcier vient te mettre dedans. Quelqu'un qui est dans l'anus d'un sorcier, comment il va évoluer? J'ai vu, pendant une croisade, on m'a invité dans un village, à Grand Laou. Et pendant la croisade, j'ai un monsieur qui a fait les aveux. Il vient, il parle, il a bloqué le voyage de son fils. Comment? Le monsieur ne peut pas avoir visa. Mais comment? Il a pris le passeport, il allait mettre ça dans une tombe. C'est vous qui jouez à la sorcellerie. Et il travaille. Il faut les ignorer et puis ils travaillent. Et la sorcellerie, c'est une science occulte. Elle est évolutive. Le système, c'est comme ça. Tu n'as plus besoin d'être dans une famille. Si un sorcier veut des bangourous, il veut te manger, il te prend, il te mange. C'est tout. Ok, j'explique. Donc, on met le passeport dans la tombe. Et moi je suis quelqu'un. Si tu me dis, tu as mis dans une tombe, tu vas me montrer la tombe. Effectivement, on va. J'étais obligé de casser la tombe. On regarde. Si les squelettes, on trouve un passeport neuf. C'est vous qui jouez le monde, la spiritualité. Je prends le passeport, il est neuf. Très neuf. Ok. Et j'appelle le neveu. J'ai dit, viens, est-ce que tu as un passeport? Il dit, oui. Tu as l'intention de voyager? Il dit, oui. Comment? Il dit, mais on m'a refusé deux fois le visa. Amen. C'est pour ça que quand vous avez un passeport, priez c'est ça. On ne doit pas vous refuser le visa. Amen. Amen. Et donc j'annonce mon arrivée. J'ai eu mon visa depuis hier. Visa de la France. J'arrive pour ma tournée européenne. C'est dans ma poche ici. J'ai eu mon visa. J'arrive. Amen. Amen. J'arrive pour la France. J'en profite pour l'annonce. J'arrive en France. Le grand programme démarre à partir du 24, 25, 26 à Lyon. Tout le monde doit être à Lyon. Et après Lyon, c'est l'Italie. Après l'Italie, nous allons attaquer l'Allemagne.
Après l'Allemagne, nous allons attaquer la Grèce. Après la Grèce, nous allons attaquer la Suisse. Et après tout ça, je m'envole maintenant pour les États-Unis, où je ferai 26 étapes, à la grâce de Dieu. Voilà, donc, comme je disais, le passeport, il vient le week-end avec son passeport. Donc j'ai dit, donne-moi ton passeport. Moi, j'avais déjà le passeport qu'on avait déjà récupéré de la tombe. Je prends le passeport, je regarde, identique. C'est la même photo, c'est le même numéro de passeport, tout. Mais l'autre, on avait eu des refus de visa. Ça veut dire quoi? Le monsieur qui a eu le passeport dans la tombe, ça veut dire le vrai passeport même, là, c'est ce qui est dans la tombe. Le propriétaire, il a photocopié le passeport. L'original, mais est dans la tombe. Tu peux avoir visa dedans. Donc, je regarde, et puis j'ai présenté les deux, je lui donne les deux passeports. Il était étonné lui-même, comme moi. Il était dépassé. Il me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, est-ce qu'on peut l'expliquer? Je lui ai dit, le monsieur qui est là, c'est lui qui peut t'expliquer. Sinon, moi-même, là, je suis dépassé. Ton oncle, là, c'est lui-là qui peut t'expliquer. Il regarde droit dans les yeux, il dit, mais attends, je ne comprends rien, explique-moi quelque chose. L'oncle explique. Il dit, un jour, je suis allé chez toi, et puis j'ai pris ton passeport. Il m'est allé comment? Nos gars, là, dans l'avion, les gens font Air France. Comment on appelle le village? Air Zamaka. Donc, il y a les gens, Air Zamaka, là, eux, c'est 15 minutes. Hein. Ça ne dure pas comme Air France. Tu fais 6 heures de vol pour arriver à Charles de Gaulle, à Paris. Voilà, eux, c'est Air Zamaka. Donc, il s'en va, vite, vite, il prend le passeport. Il dit, mais attends, explique-moi, parce qu'il ne comprend pas. Mais tu ne peux pas comprendre. Tu peux comprendre, mais voici une réalité. Il lui vit dans un autre monde. Il a ses réalités, il faut gâter. Et donc l'oncle l'explique. Il dit, comprend toujours rien. Il dit, bon, ok. Je vais t'expliquer quelque chose que tu dois bien comprendre. Un jour, tu avais 5 millions dans ta maison. Il dit, voit pas. Il dit, ok. Il y a eu 500 000 francs perdus et tu as envoyé ton fils à la PSG, tu l'as frappé. Il a dit, ah oui, je vois. Il dit, c'est moi qui ai pris. Parlant de ça, il est séparé à maintenant. Le gars est tombé sur le vieux père. J'ai oublié de les séparer par là. Le gars est en train de le botter. Il dit, bon, pardon. Le vieux l'a expliqué. Il dit, non, je visite ta maison. Pendant que toi tu dors, moi je suis dans chez toi. Frère, la Bible dit, si l'Éternel le garde une maison, ceux qui la gardent veillent en vain. Il peut avoir toute l'armée du corps, tu vois, toute l'armée d'Israël, toutes ces grandes armées du monde entier autour de ta maison. Mais si tu n'as pas la protection de Dieu, tu es exposé à un grand danger. Parce que les sorciers n'ont pas besoin de tout ça. Ils n'ont pas besoin, ils rentrent. Et le monsieur s'est dépassé. Et je t'ai oublié. Et oh, le monsieur, son oncle, il lui donne un sac de riz et 50 000 francs par mois pour le soutenir. Vous les sorciers, vous n'avez pas de cœur. Pourquoi tu me fais ça? Il dit, oui, c'est comme ça la sorcellerie. C'est celui qui apporte beaucoup d'aide là qu'on veut manger. Là, ta chair, là, c'est comme vous mouton, c'est tendre. Tu penses à jungler, tu pas. Celui qui est méchant, c'est un grand éléphant. C'est dur, donc on n'a pas besoin de lui. Vous voyez? On n'est pas obligé de prier pour lui. Puis Dieu a décanté dans la situation. Il allait à Londres pour faire sa formation. Donc tu peux être là et puis ta vie peut être bloquée par la sorcellerie. Or, quand ta vie est bloquée, tu le ressens. Tu sens ça. Pourquoi? Le signe, c'est la frustration. Tu es frustré. Même tu chaud. Rien ne bouge, rien ne change. Ça veut dire que tu es en prison. Parce que la prison physique, il y a une prison spirituelle. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu, vous allez comprendre. Marc 10, à partir du verset 46 jusqu'au verset 52. Écoutez très bien la parole de Dieu. Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Jusqu'au 4, 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Très bien, écoutez très bien. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il a fait quoi? Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. C'est très bien, écoutez très bien la parole de Dieu. Et il se mit à crier. Il s'est mis à crier. Fils de David. Fils de David. Jésus. Jésus. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient. Ils l'ont repris. Pour le faire taire. Très bien. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau Très bien. Et se levant d'un bond, vint vers Jésus.
Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabboni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Une très belle lecture. Nous allons parler de l'histoire de Bartimée. La Bible dit que c'est un fils, on l'appelle fils de Bartimée, c'est l'enfant de Timée. Et ce monsieur, il est aveugle. Il est né aveugle. Le monsieur est aveugle. Il a entendu parler, il avait entendu plusieurs fois parler de Jésus. Voilà qu'à sa grande surprise, Jésus traverse cette ville qu'on appelle Jéricho. Regardez le monsieur qui est aveugle. Frère, Bartimée était aveugle, mais n'était pas sourd. Dis à quelqu'un, Bartimée était aveugle, mais n'était pas sourd. Vous comprenez? Il avait encore d'autres facultés pour agir. Bartimée, il était aveugle, n'est-ce pas? Mais n'était pas sourd. Ne dis pas que non, c'est fini pour moi. Non. Bartimée est aveugle, bien qu'il soit aveugle, mais n'était pas sourd. Cette faculté-là a permis à Bartimée de savoir ce qui se passe autour de lui. Tu as une conscience. C'est ce qu'il dit toujours. Ah non, mais il y a la conscience qui doit t'amener à faire ce qu'on appelle la prise de conscience, de comprendre que tu vis une situation, il faut que tu te lèves. Bartimée a compris que non seulement qu'il est aveugle, mais il n'était pas sourd. Il est aveugle, mais il n'était pas sourd. Il vivait une situation, il mendiait. Et c'est pas cette vie-là, il ne désirait pas de cette vie. Toi, tu vis une situation, c'est vrai. Mais il y a des gens qui se plaignent dans leur situation. Bartimée, il était mendiant. Mais il n'aimait pas cette vie-là. Vous voyez, frère, si tu te plais dans ta situation, tu ne verras jamais Dieu te délivrer. Bien qu'il soit mendiant, mais il n'aimait pas cette situation. La société lui a imposé cette vie. L'esprit des ténèbres lui a imposé cette vie. Et dans son cœur, il cherchait une occasion pour être délivré. Amen. Amen. Et donc il a entendu parler. Bien qu'il soit aveugle, mais il a entendu parler. Il avait les oreilles pourtant. Et qu'il a dit qu'on dit c'est Jésus. Il a saisi l'opportunité. Dis amen. Amen. Il a saisi l'opportunité. Amen. Il a saisi l'opportunité. Amen. C'est une opportunité pour toi, frère. C'est une opportunité pour toi de la saisir pour obtenir ta délivrance. Amen. Il y a des gens qui négligent les situations. Quand Bartimée a su que c'est une occasion, n'est pas ratée, il a commencé à crier. Oh, plus il criait, les gens disent non, frère, Jésus même là, il n'a même pas ton temps. Amen. Toi comme ça, Jésus peut te délivrer. Soit vous regardez, il y a des gens qui se posent, si Dieu m'écoute, depuis que tu es à l'église, si Dieu m'écoute, frère. Faut persévérer. Bartimée a commencé à persévérer. C'est sa persévérance qui démontre qu'il avait envie d'être délivré de cette situation. La persévérance de Bartimée nous démontre qu'il avait envie de quitter cette situation. Et c'est ce qui a interpellé Jésus. Parce que dans la délivrance, frère, faut pas que quelqu'un vienne t'empêcher de rencontrer Dieu. N'écoutez pas les gens qui rencontrent des choses autour de vous. Sinon, tu perdras là. Si lui, il écoutait les gens, mais à longtemps, il était resté. Parce que les gens lui ont dit, mais il ne voit pas. Il entendait seulement. Il ne voyait pas, on dit non, s'il te plaît. De toute façon, on voit Jésus là. Il n'a même pas ton temps. En français, il n'est pas prêt pour toi. Bah, tu vas se décourager. Or, ce n'est pas une question de se décourager. C'est une question de dire, il faut qu'il me désire. Il désirait. Toi, tu désires quoi? C'est la question. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans la foule, qui viennent se mettre dans un système de délivrance. Comme on dit délivrance, bon, voilà, on va prier pour nous. Mais toi-même, est-ce que tu désires quitter ta situation? Bon, comme